bande de rêves. Ça me rappelle la grande époque. Bref, salut les gameuses et les gamers, et bienvenue dans le fond de l'affaire. Cette semaine, c'est le 11 novembre, alors du coup, on va faire tous les secrets de la série Battlefield. Battlefield, donc, série débutée en septembre 2002. DICE, les développeurs du jeu, sont suédois. Avant de commencer la série Battlefield, ils s'appelaient Digital Illusion CE. Ils se sont fait connaître grâce à des jeux de flippers sortis au début des années 90 sur Amiga. Digital Illusion CE a ensuite racheté en 2000 Refraction Games, un autre studio suédois qui avait sorti, un an auparavant, Codename Eagle, un FPS comportant un mode multijoueur très présent. Au moment de leur rachat, Refraction Games était en train de préparer un successeur à Codename Eagle. Ils sortirent alors Battlefield 1942 en 2000 sous le studio DICE, studio qui fut par la suite lui-même racheté par Electronic Arts. Preuve de l'attachement de Refraction Games à la série, le moteur des jeux Battlefield jusqu'au second épisode s'appelle Refractor et a été créé pour Codename Eagle. Les spin-offs Battlefield 2142, Battlefield Heroes, Battlefield Online et Battlefield Play for Free l'utilisent aussi. De plus, Rally Sport Challenge, un jeu de de rallye, utilise la première version de ce moteur. Dans le premier épisode, les nazis utilisent une version modifiée du drapeau de l'Empire allemand, datant du 19e siècle. C'est en effet pour ne pas utiliser la tristement célèbre croix gammée, dont la représentation est illégale, notamment en Allemagne. De plus, le jeu ne fait aucune référence au fascisme, au nazisme ou à Hitler, toujours pour la censure allemande. C'est marrant, c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Le jeu devait sortir sur Xbox première du nom, comme annoncé en 2001, mais ce fut annulé 2 ans plus tard pour que l'équipe se concentre sur les add-ons du jeu. Dans Battlefield Vietnam, un pistolet de détresse devait être jouable. Il existe dans les fichiers du jeu et possède même des animations. Ceci dit, ces fusées de détresse sont plus des mini-bombes au napalm qui ne font malheureusement pas de dégâts, contrairement aux plats vietnamiens, moi ça me crame toujours leurs épices. Assez amusant, dans Battlefield 2, beaucoup de gameplay changeait entre la démo et le jeu, tout simplement car la démo ne profitait pas des derniers patchs. Bon, cela dit, les serveurs de la démo ont été fermés rapidement. Plusieurs armes du jeu ont été annulées. Notamment un fusil sniper, le M82A1, utilisé plus tard dans le mode solo de Battlefield 3. Seconde arme annulée, le LP-7, un désignateur laser permettant d'indiquer des cibles pour les avions de combat. Cette arme possède même un tutoriel dans les fichiers du jeu. Il existe une carte supprimée du jeu, elle s'appelle Ingan Hills et voyait s'opposer les Américains et la Chine. Elle était supposée contenir des ponts ainsi que des fermes et petits villages, une zone humaine banale quoi. Une autre carte, Divided City, a également été supprimée mais a vraisemblablement été intégrée à Master City. Plus cocasse qu'une carte ou qu'une arme, un véhicule tout particulier fut doté du jeu. Une brouette. Et pas une japonaise, une normale. Elle devait pouvoir servir de véhicule assez peu efficace. Il ne reste de cet easter egg annulé qu'un fichier audio disant « Brouette ennemie repérée !» suivi d'un rire. Ah, foncez à vive allure en brouette, la pelle au vent, ça c'est du sport. Bon, véhicule annulé moins amusant, une VB1, moto tout-terrain. Étrangement, l'icône restant dans les fichiers du jeu correspond à un véhicule de transport de troupes. Dans la donne Euroforce, c'est un avion de combat et un hélicoptère Lynx qui ont été supprimés. L'annonce de Battlefield 2142 se fit d'abord par une vidéo qui a fuité des studios, mais surtout par un indice donné par Dan Blackstone, producteur d'EA. Cet indice était SR 4588164. SR signifie square root, racine carrée, en français. Or, la racine carrée de 4588164 est 2142, comme le titre du jeu. Ceci dit, il y avait beaucoup d'indices dans Force Blindée, la donne de Battlefield 2. Par exemple, une plaque de véhicule était numérotée 2142, une montre affichait 21h42, et un magazine dans un camion annonçait « Une ère glaciaire approche ». Ils sont tirés par les cheveux, leur indice. Le jeu affiche des pubs durant la partie sur des panneaux publicitaires. Détail amusant, une des pubs annonçait le 134e anniversaire de la sortie de la démo de Battlefield Bad Company. Avant la sortie de Bad Company, justement, des microtransactions étaient prévues pour le jeu. Évidemment, cela a déclenché de violentes réactions sur les internets. Ah, petits humains jamais contents. EA a alors d'abord communiqué sur le fait que les armes débloquées par argent réel ne seraient pas plus puissantes que les autres. Finalement, les microtransactions furent annulées.
Dans Bad Company, il existe un niveau dénommé Over and Out. Cela n'a aucun sens. En effet, lors d'une conversation radio, on termine un message attendant une réponse par Over, tandis qu'on dit Out quand on termine une conversation et donc que l'on n'attend pas de réponse. Dire Over and Out, c'est un peu comme dire J'attends une réponse, adieu! Dans le jeu, le personnage Redford n'a pas de réel prénom officiel. En effet, dans le manuel, il s'appelle Samuel D. Redford. Dans son blog, son nom est Clarence Redford. Et pour finir, dans le générique de fin du deuxième épisode, il se nomme Terence Redford. Un autre personnage, par contre, a un nom précis, et il s'appelle George le Bougre. George Gordon Haggard Jr., en l'occurrence. D'ailleurs, son numéro de soldat est 00-BF-1942-002-BF-2005. C'est en référence aux dates de sortie de Battlefield 1942 et Battlefield 2. Le second épisode de Bad Company a clairement été orienté comme une concurrence à Call of Duty Modern Warfare 2. Pour commencer, son annonce officielle s'est faite en réponse à l'absence de serveur dédié de Modern Warfare 2, en précisant que Bad Company 2 en aurait. Ensuite, dans le jeu, les personnages critiquent les détecteurs de battements cardiaques et le motoneige, tous deux utilisés dans une mission de Modern Warfare 2. Ce Call of Duty avait réalisé une vidéo de promotion critiquant les lancers de grenades aléatoires. Cette vidéo a été supprimée car l'acronyme utilisé à la fin de la vidéo pour l'association Fight Against Grenade Spam donne FAGS, soit tapette en anglais, ce qui est plutôt homophobe. Une vidéo promotionnelle pour Battlefield a alors déconseillé elle aussi les lancers de grenades aléatoires, mais pour le côté inutile comparé aux véhicules et environnements destructibles du jeu. L'acronyme de l'association est ici FRAGS, référence aux grenades à fragmentation et aux frags des FPS. Bon, apparemment il est nul et personne ne l'aime, mais il faut savoir que Battlefield Play for Free a failli s'appeler Battlefield Assault, comme le montrent des fichiers du jeu. Battlefield 3 était à l'origine développé principalement pour PC, mais a été déplacé sur console au milieu du développement. Triste affaire. De nombreuses armes et véhicules ont été supprimés du jeu, que ce soit un F-16, une machette ou encore un hélicoptère de combat. De nombreux niveaux ont été enlevés, comme le montrent les fichiers du jeu. Beaucoup de ceux-ci sont en fait des prototypes des niveaux finaux. Plus intéressant, des modes de jeu ont été retirés. Un mode roi de la montagne, un mode spectateur, ainsi qu'un mode permettant d'utiliser des bots. Il reste des traces de ces modes dans les fichiers du jeu. Un mode sandbox, bac à sable en français, semble aussi avoir été supprimé, comme l'indiquent des noms de fichiers. En parlant de bac à sable, dans plusieurs Battlefield, dont le troisième épisode, il y a un château de sable caché, avec des drapeaux de la Norvège et de la Suède, pays des développeurs. Autre easter egg, une série de dinosaures et un ours en peluche cachés dans les cartes du jeu. D'ailleurs, ces dinosaures ont créé un véritable engouement, faisant croire à beaucoup de joueurs à un DLC débloquant un mode dinosaure. Il n'en est malheureusement rien. Et un mode Tiponette 2, ils y ont pensé? Non. En parlant d'animaux, Battlefield 3 a été critiqué par la PETA, et oui, parce qu'à un moment de la campagne solo, le joueur est invité à tuer un rat. C'est rigolo, parce que le fait qu'on puisse tuer en masse des humains, ça passe, mais un rat... Du pareil au même. Autre réaction négative face au jeu, celle de l'Iran. En effet, dans le jeu, nombre de lieux ressemblent fortement à certaines régions d'Iran. Du coup, le jeu y est banni. Particularité intéressante, dans le jeu, le son va plus lentement que la lumière, comme dans la réalité. C'est un détail bête, mais c'est important de le noter. En parlant de son, Rami Yacoub, qui a réalisé le thème de cet épisode, a aussi écrit des chansons pour Britney Spears, Nicki Minaj et les NSYNC. Bon, pour se rattraper, il a aussi écrit pour Céline Dion. Ah, Céline Dion, le fils de Superman, ça c'est de la chanson. Écoutez-la, les enfants. Le jeu utilise des enregistrements assez désopilants pour les réactions des soldats. Voici quelques exemples. Bon boulot, tu as géré comme j'ai géré ta sœur. Cachez vos bites dans l'ombre. Oh, celle-là a laissé mes couilles battre au vent. Beaucoup d'autres font référence au caca, sinon. Quel humour puéril, des vrais gamins de cours de primaire. De nombreux joueurs se sont posé la question de savoir pourquoi la fameuse carte du second épisode, Dragon Valley, n'avait pas été sélectionnée dans les cartes du DLC Back to Karkand. Eh bien c'est tout simplement car l'équipe trouvait que cette carte ne collait pas avec l'ambiance générale du troisième épisode, et que cela aurait ruiné la nostalgie des joueurs. La carte aurait également posé beaucoup de problèmes techniques pour être faite. Il y aurait apparemment une annonce d'un éventuel Battlefield 2143 sous forme d'un véhicule futuriste volant dans les airs dans les cartes du DLC Endgame. De plus, un mur sur Wake Island porte le chiffre 2143. Durant la bêta du jeu, un glitch affichait certains joueurs comme s'ils étaient des géants. Forcément, c'est plus dur pour se cacher.
Pour finir, en octobre 2012, la Fox a annoncé vouloir produire une série sur les jeux Bad Company. Alors il y aura peut-être un peu de Battlefield à la télé. Salut les gameuses et les gameurs et non, c'est pas ça, je m'ai trompé. Ah oui. Eh bien, c'est fini. Alors, restez branchés et continuez de surfer sur les internets. Encore un petit quelque chose pour vous, monsieur. C'est quoi cet accent de merde? L'accent de merde, bien sûr. Classe. Pousse ma gueule.